Coucou la Jeune Family! Je suis vraiment très très contente et ravie de te retrouver sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Alors de quoi on va parler aujourd'hui? Comme tu as pu lire dans le titre, je vais enfin te donner mes bons plans de la vidéo précédente que j'avais faite où je te montrais les dernières choses que j'avais achetées sur l'un de mes sites préférés en fait, Topshop. Donc aujourd'hui je vais te donner les bons plans, comment faire pour acheter, comment est-ce que moi je fais pour acheter moins cher, et aussi sur AliExpress en fait, donc sur les deux sites. Je vais pas t'expliquer comme ça, je vais te faire carrément un tuto et voilà, je vais te montrer où je vais, comment je fais, comment ça se passe avec les tailles. Et ensuite je vais te montrer aussi comment est-ce que tu peux faire pour recevoir ça au Cameroun sans forcément attendre que quelqu'un voyage en fait. Avant ça, j'ai une petite surprise. En fait, cette semaine, elle a été vraiment beaucoup, tellement chargée d'émotions. Donc voilà, je voudrais partager les petites surprises que j'ai eues dans cette semaine. Ma mère m'a fait plein de petites surprises. Et comme je t'avais promis, en fait, je vais essayer de partager un peu mes nouvelles petites choses avec toi. Et des sera pour que tu puisses voir à quoi ça ressemble. Donc du coup, sans plus tarder, ma maman m'a fait un cadeau. De ce sac, de ce joli petit sac de la marque Sadini, qui est une marque italienne, et principalement en fait c'est une marque qui fait beaucoup plus dans la bijouterie, dont ils font beaucoup plus des bijoux, surtout des colliers et des boucles en fait. Franchement leur matière, sa mêlon et etc. Parfois ce n'est pas forcément de l'or en fait, parfois c'est de l'argent, mais la façon dont c'est vrai, la façon dont c'est travaillé, ça te met vraiment comment je dis, ça te met vraiment un habillement en valeur, ça te met vraiment, je sais pas, des oreilles, ton cou en valeur, la façon dont c'est travaillé et tout. Donc bref, c'est une marque que je connaissais principalement que pour les bijoux en fait. Donc grande fut ma surprise quand j'ai vu qu'ils font aussi des sacs. Après, je n'ai pas cherché de savoir s'ils font aussi des vêtements et tout, j'ai vraiment pas pris la peine. Mais franchement, le sac, il est juste trop beau. J'aime trop la forme, j'aime la matière. Et je pense que c'est un sac que je peux porter à toutes les saisons, hiver, été, printemps et tout. Mais voilà, le sac, il est trop top. Derrière, tu as une poche qui est toujours très pratique, tu sais, c'est le genre de ça, tu, enfin pour tes petites balades quoi, tu sors, tu as ça, et au lieu de toujours fouiller ton téléphone dedans, j'aime bien les sacs avec les poches comme ça. Là tu mets ton téléphone là et tes documents là, comme ça tu es tranquille, t'as pas besoin de fouiller dans le cafouillage que on sait qu'il y a souvent dedans quoi. À quel point il est assez grand en fait, il peut prendre plein de choses, tu vois. Donc vide, il ressemble à ça. Même vide, il garde toujours sa forme. Du coup, pour la deuxième, en fait, c'est un ensemble de sport, le boxeur des rues. C'est une marque que j'ai toujours connue comme ça à distance, en fait. Donc du coup, elle m'a pris ça, cet ensemble-là, pour le sport, pour marcher, etc. Donc c'est un body comme ça, qui est cut out. Et puis... La petite culotte qui va avec. Donc voilà, et derrière et voilà, dedans il y a pas, c'est pas le genre de culotte avec l'espèce de slip dedans. Déjà que moi j'aime pas ces culottes là, et puis je pense que c'est plus pour les garçons, mais même pour les garçons j'aime pas trop ces culottes là genre avec les slip dedans. Donc c'est un peu ça, c'est à ça que ça ressemble. Bon, ça je vais pas te l'essayer parce que bon voilà, tu peux imaginer que c'est court. Donc ça c'est les deux. La troisième surprise c'est ça. En fait c'est un coffret qui contient une paire de lunettes. Bah ça par contre je l'ai utilisé dans la semaine, je l'ai déjà porté parce que j'avais hâte. Donc en fait elles sont de la marque Philippe Plein. Philippe Plein, j'ai vraiment jamais essayé, que ce soit vêtements ou quoi que ce soit, jamais. Donc c'est la première fois que j'ai un article de chez Philippe Plein en fait. Donc ça vient comme ça, dans un coffret comme ça. Et puis voilà, il y a toujours les outils dedans. Donc ça c'est celui, ça c'est le coffret que en fait tu mets dans ton sac à main. Et ça c'est genre quand tu veux ranger, tu mets les mains et puis tu ranges dans ton armoire ou tu as l'habitude de ranger tes lunettes. Donc voilà, en fait, et puis, ok, il y a les cheveux dessus, ok, d'accord. En fait, et puis il y a la pochette pour nettoyer. Cette pochette, en fait, elle vient dans, elle est venue dans
un petit plastique en fait, du genre la plupart des lunettes, les grandes marques, c'est du genre c'est la petite pochette pour nettoyer bien dans un plastique, mais comme j'ai déjà ouvert et utilisé, c'est pour ça que le petit plastique, tu le vois pas là. Donc c'est un truc comme ça, simple, avec la marque dessus. Et je sais pas en quelle matière c'est, si c'est du faux cuir ou quoi, je sais pas. C'est très agréable de toucher en tout cas. Et voilà les lunettes, elles ressemblent à ça. Déjà, je sais quand même que Philippe Plan aime bien les trucs avec les clous et Tessera, les têtes de mort. Bref, des trucs vraiment rock and roll, quoi, si je peux dire ça comme ça. Et voilà à quoi cette paire de lunettes ressemble. Enfin, je vais essayer. C'est à ça que ça ressemble. Moi, j'aime bien, surtout quand il y a le soleil. En fait, ça te donne. Quand il y a le soleil, ça te fait genre une espèce de fumée, quoi. Genre en haut, c'est fumé et en bas, ça devient un peu plus clair. Donc, ça fait genre une espèce de tie-dye, mais sur des lunettes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est un peu ça. Et voilà. J'aime bien. Et enfin, pas les moindres, ma maman m'a offert un nouveau téléphone. Là, franchement, c'était la surprise de la semaine, la surprise de ouf. Peut-être je suis un peu en retard par rapport à ce téléphone parce qu'il y a le nouveau qui est sorti il n'y a pas longtemps, ou alors il y a longtemps. Bon, niveau technologie, je ne suis pas trop à journée en fait, tu vois. Mais bon. Donc du coup, le téléphone qu'elle m'a pris, c'est un Samsung S8 Plus. Voilà, je ne l'ai pas encore ouvert. J'attendais de faire cette vidéo pour l'ouvrir devant toi. Donc voilà, comme je disais, c'est sûr que c'est probablement un peu vieux par rapport à la nouvelle technologie, tout ça. Mais bon, moi, je suis vraiment super. Mais alors là, je suis trop contente, quoi. Franchement, je ne m'attendais pas et... Donc du coup, je vais essayer d'ouvrir pour voir ce que ça donne. Le plan s'est cadré. Donc je pense que c'est, voilà, c'est déjà configuré juste pour les puces au bout. Voilà, est-ce que je vais y arriver? Petite bande. Ok, on y est arrivé. Donc en fait, il y avait une bande qu'il faut. Oh, je crois qu'il y a même une deuxième bande, d'accord. Dessus, c'est écrit « Do not accept if seal is broken ». Donc c'est écrit dessus, il ne faut pas accepter si l'emballage présente des défauts. Donc si c'est cassé, s'il y a des rayures, etc. Tu vois. Et puis c'est écrit aussi caution seal package. Donc il faut bien que le vendeur te ferme bien ton paquet en fait. Tu vois, sinon tu as le droit de pas l'accepter parce que c'est carrément écrit dessus. Genre signé par Samsung et etc. Mais bon là il faut que tu réussisses à enlever cette porte. En fait c'est genre une bande adhésive, mais super forte en fait. C'est... D'accord. Et moi j'ai trouvé les ongles là. Voilà. Ok. Je crois qu'on a enlevé toutes les bandes adhésives, mais là ça me. Ah d'accord, ok. Ok, d'accord. En fait, moi, j'essayais de pousser, peut-être ça va sortir comme ça. En fait, ce qu'il faut faire, c'est l'ouvrir juste comme ça, en fait, tu vois, genre c'est comme ça. Et tu dois l'ouvrir comme ça, tu vois. Ouais, il est trop beau, franchement, c'est très joli. Alors, une autre chose, c'est quoi? C'est que, à ma grande surprise, après qu'on ait payé le téléphone, les gars me disent, viens choisir la couleur du téléphone, comment tu donnes un cadeau? Je dis, oh. Mais comment ça, un téléphone qu'on va me donner en cadeau? Il me dit oui, quand tu achètes ce téléphone là, on te donne un téléphone en cadeau, donc tu as choisi la couleur. Ok, moi franchement j'y croyais pas, hein. Je pars, je dis ok, choisis couleur or. C'était un Samsung J3, le voici. Donc ils me l'ont donné cadeau après avoir payé notre téléphone là. Donc c'est après, je me suis renseignée en fait, c'est là que j'ai vu que en fait, depuis le 25 janvier 2017, Samsung avait lancé la promotion Je t'aime et qui était censée finir le 14 février 2018. Donc, à la base, je suppose que c'était pour la Saint-Valentin en fait. Sauf que là, on l'a acheté le 15 mars 2018 et on m'a quand même offert ce téléphone. Donc, essaye de te renseigner si la promotion elle est valide d'abord dans ton pays et puis voilà. En fait, cette promotion elle est valide quand tu achètes les téléphones suivants. Le Samsung Galaxy Note 8, le Galaxy S8, le Galaxy S8 Plus et le Samsung A5. Donc si tu achètes les téléphones que je viens de te citer avec la promotion que Samsung a lancée le 25 janvier 2018 qui s'appelle Je t'aime, on t'offre un Galaxy J3 cadeau gratuitement en fait. On te l'offre genre, tiens voilà c'est pour toi. Donc c'est pour te dire qu'apparemment c'est ma...
Apparemment, ces marques en fait font souvent des promotions quand ils sortent des nouvelles téléphones. Moi aussi, je l'ai appris quand ma maman m'a acheté ce téléphone. En fait, je te le dis, genre, si tu es quelqu'un qui va vouloir acheter les nouveaux téléphones, renseigne-toi souvent. C'est sûr que tu vas souvent tomber sur des promotions comme ça. Je te renseigne. Peut-être que tu es passé sans le savoir, mais dès maintenant, renseigne-toi. Peut-être que tu peux avoir des téléphones gratuits comme ça. Donc maintenant, voilà, c'est tout pour les surprises. On va passer au tutoriel et puis on se retrouve juste après. Il suffit d'aller dans ton moteur de recherche, tu tapes Topshop. Moi, je préfère souvent aller directement dans Topshop Europe. Et comme tu peux voir, actuellement, il y a des soldes. Je suppose que ce sont les soldes de mi-saison. Donc, tu as moins 50% sur tout, en fait, actuellement, sur Topshop. Donc, ce que je te conseillerais de faire, c'est d'aller créer un compte. Tu mets ton adresse, tu crées un mot de passe et tu confirmes. On va t'envoyer un mail. Tu suis toute la procédure. En fait, c'est mieux par rapport aux commandes. Là, tu peux tracer ton colis au lieu de le faire sans compte. En fait, c'est mieux. Ce que je fais souvent, c'est que je passe directement au solde. Qui est les soldes ou pas. De toute façon, Topshop, c'est l'un des sites où il y a toujours des soldes. Donc là, maintenant, c'est écrit parce que ce sont les mid-season, je suppose. Mais moi, dès que j'arrive là, je pars directement dans les soldes. Donc, c'est sale, S-A-L-E. Et voilà, tu peux voir, c'est vraiment des bons prix. 20 euros, 13 euros pour Topshop. Franchement, c'est très, 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 très bon, en fait. C'est très bon prix. Et tu peux aller directement régler tes prix en fait parce que ça part de 1 euro à 100 et quelques ou plus. Moi je pars directement, je règle et je mets 20 euros, parfois je mets même 10 euros et je vois ce que je peux acheter à ces prix là. Donc tu trouves vraiment pour tous les prix. Tu vas voir et quand tu vois la photo comme ça, c'est autre chose au toucher, c'est franchement autre chose. Et comme tu as pu voir tout à l'heure, quand il y a les soldes comme ça, les tailles ça va très très vite. Donc il faut en profiter dès que tu en as l'occasion. Mais t'inquiète, sur Topshop, il y a tout le temps les soldes, en fait. Tout le temps. C'est pour ça que j'aime, c'est l'une de mes marques préférées. Et en fait, comme je t'avais dit pour les tailles, si tu vois là, c'est jusqu'à 46. Mais moi, par exemple, je porte taille 36 Europe. Et par contre, c'est ça, souvent l'air d'être un tout petit peu petit. Donc, si tu es un peu plus grande que moi, si tu as l'impression d'être un peu plus grande que moi, je te propose de prendre taille 38 Europe parce que là tu ne risques pas à ce que ça te sert. Et maintenant pour comme je t'ai dit, ça c'est le site qui te délivre en fait en Afrique. J'étais dit au Cameroun, c'est vrai au Cameroun, mais en Afrique en général. Donc c'est ce site-ci là que je t'ai déniché. Tu crées ton compte et t'essaieras, tu suis toute la procédure et je te promets que tu reçois ton colis en Afrique, que tu sois au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Après, je vais te montrer tout à l'heure l'exemple. Franchement, tes colis, ils arrivent sans problème, tu vois. Donc, tu peux aller sur le site easydelivery.com et puis tu peux me faire une simulation comme je suis en train de te montrer. Tu choisis ton pays de livraison et tout. Donc, voilà, c'est un peu ça. Donc, voilà. Je profite pour te préciser encore bien pour les tailles hein, de chez Topshop. Franchement, essaye de prendre un tout petit peu plus grand chaque fois que tu as l'impression que tu as pris du poids. Parce que ça porte un peu petit, en fait. Donc, comme tu peux voir, Easy Delivery Côte d'Ivoire, c'est pour te faire voir, en fait, un exemple. Et voilà toutes les marques dont tu peux acheter directement sur ces marques-là, en fait. Tu vois, 3 Suisse, Abercrombie & Fitch, même AliExpress, il y a Bershka, Chanel, Christian Siriano, bref, Calvin Klein. Tu peux franchement te procurer ces marques directement. Ils arrivent en Afrique et ça, c'est du genre, tu commandes beaucoup plus en France en fait. Parce que ici en Italie, j'ai pas vu. Donc, c'est surtout vraiment pour les gens qui sont en France. Si par contre, tu as des familiers en France ou des amis qui peuvent t'aider, genre à commander étant en France et envoyer en Afrique, ce serait vraiment top, 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 top. Donc, c'est surtout pour les gens qui vivent en France, en fait. En Italie, j'ai pas encore trouvé un moyen économique moins cher pour envoyer en Afrique. Donc, c'est pour ça que je te propose Easy Delivery. Par contre, sur AliExpress, comme tu peux voir, dès que tu entres sur AliExpress, tu trouves des... En fait, les coupons, ça te permet d'ajouter encore des rabais. Même si c'est sur les soldes ou alors sur des prix normaux, les coupons te permettent d'ajouter un autre rabais. Et tu as plusieurs façons de gagner des coupons. Soit en allant directement sur le site, enfin,
parce que AliExpress est fait de shop en fait. Sur le shop ou alors en jouant à ces deux jeux que tu vois, ça te permet d'accumuler des coupons qui vont de 99 centimes à 1 euro, 2 euros, etc. Parfois même 4 euros. Ou alors, voilà, là je te montre un exemple en fait pour pouvoir trouver, si tu cherches quelque chose de particulier. Là, j'ai mis ankle boots, donc des petites bottes, tu vois, direct tu trouves. Tu vois, et quand tu vois sur la photo, franchement, je te promets, elles sont plutôt jolies, portées. Généralement, en tout cas, moi, les deux produits que j'avais achetés sur AliExpress, j'ai été agréablement surprise, franchement. Donc, je t'ai pris l'exemple de cette boot, de toujours voir le nombre de commandes. Et puis, les avis, en fait, c'est très, très important. Comme ça, tu es un peu plus tranquille. Ensuite, qu'est-ce que j'ai foutu? Ok, donc, ah ouais, là, je voulais te montrer autre chose que des chaussures. Donc, je crois que ce sont des robes que je cherchais pour te faire voir d'autres articles. Enfin, comme je t'ai montré les robes dans ma vidéo précédente. Donc, du coup, je te fais voir d'autres robes. Tu vois, par exemple, celle-ci qui coûte 24,14 €. Tu vois, là, par exemple, c'est cher. Et il y a même des frais de port généralement. C'est gratuit la livraison, donc du coup avec des coupons tu peux bien réduire le prix et du coup c'est un peu ça. Donc j'ai suivi la boutique de cette robe, tu vois, parce que genre quand tu cliques sur un produit, il y a une petite maisonnée qui se met à côté. Tu cliques sur la petite sur l'icône de la petite maisonnée et ça t'ouvre la boutique en fait. Tu vois, là tu peux voir tous les produits que te propose cette boutique. Tu peux t'abonner comme j'ai cliqué là sur le petit plus rouge ou te désabonner. Et puis voilà, qu'est-ce que je foutais? Ah ouais, genre là je te montre en fait les favoris. Enfin, tu peux favoriser aussi des articles en cliquant sur le petit cœur et ça se sauvegarde dans tes trucs en fait. Donc voilà, c'est un peu ça. Cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si elle t'a plu, mets un pouce bleu, c'est vraiment très 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 important pour moi. Dis-moi ce que tu penses dans les commentaires. Abonne-toi si tu ne t'es pas encore abonné, parce que il y a plein d'autres informations qui t'attendent dans les prochaines vidéos et je suis sûre que ça va t'intéresser. Et quoi d'autre? Bah c'est tout. En attendant ma prochaine vidéo, je te fais des grands coucou aussi à tous ceux que tu aimes et surtout fais attention à toi. D'accord? Allez, bacio, moi. Vas-y.